Hello everyone, I'm delighted to be with you again for this month magazine devoted to the sustainable town. Did you know that today more than half the global population lives in towns and cities? Replanning town centers, designing places that are pleasant to live in, protecting biodiversity in a tarmac world, these are the issues that are making sustainable towns a major topic of thought and action. To better understand this new challenge, let's meet Dominique Laurin, Research Director at the CNRS, the French National Center of Scientific Research. Dominique Laurin, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous m'expliquer en quelques mots ce qu'est une ville durable ? En termes simples, je pense qu'une ville durable, ce serait d'abord une ville sobre, c'est-à-dire qui consomme un peu moins d'énergie pour fonctionner, qui consomme un peu moins de ressources non renouvelables pour être vivable, et qui consomme un peu moins de terres agricoles. Alors le deuxième point, c'est pour dire une ville durable, c'est aussi une ville plus équilibrée. Une ville équilibrée, c'est une ville où on pourrait à la limite passer toute sa vie, c'est-à-dire on y travaille, on y est logé, on y élève ses enfants, on y promène ses grands-parents, et ça veut donc dire qu'on a au fond toutes les facilités, tous les équipements, aussi bien les bureaux, les logements, les commerces, les transports doux ou des transports collectifs. Donc vous voyez, c'est la réunion dans un même espace de toutes ces fonctions, de tous ces services. Et alors pourquoi la notion de ville durable est-elle si importante aujourd'hui ? Si on regarde aujourd'hui, on pourrait dire tout va bien, on continue comme avant. Si maintenant on se projette dans le futur, en regardant un tout petit peu derrière nous, là les choses sont plus inquiétantes. Après la Seconde Guerre mondiale, on devait être 3 milliards d'humains. En ce moment, on est 6 milliards, 6 milliards et demi. Mais il est possible qu'en 2050, on soit 9 milliards. Ça veut dire que si la planète demain se comporte et consomme comme les Européens et comme les Américains, on va dans le mur. Donc la seule solution, c'est d'inventer un autre mode qu'on appelle plus durable, et à nouveau qui veut dire plus sobre, plus efficace. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la ville est absolument stratégique et au centre de ces questions. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Laurin. Je vous en prie. For more than a century, Suez Environnement has been working for towns and territories. To understand how the group contributes to the response to issues concerning sustainable towns, let's meet Catherine Chevaucher, Project Manager at SAFEJ, and Thomas Perianu, Director of Sustainable Development at Suez Environnement. Catherine et Thomas, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quelles expertises Suez Environnement peut apporter dans la conception d'une ville durable ? Les villes sont d'abord des endroits qui concentrent tous les enjeux de développement durable. Urbanisation croissante, ça veut dire que d'ici 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants en plus. Et donc ces villes ont des impacts en termes de consommation de ressources, en termes de pollution qu'il faut maîtriser et gérer. Et justement, c'est le métier de Suez Environnement de proposer des solutions aux villes pour continuer à se développer en minimisant leurs impacts. Par exemple, la filiale de Suez Environnement, SAFEJ, propose aux villes des systèmes d'ingénierie. Effectivement, chez SAFEJ, nous avons une vision intégrée de la ville, une vision de conception, de co-conception amont de la ville, de ses infrastructures, des équipements urbains, en essayant d'associer autour de cette phase de conception finalement d'autres parties prenantes que l'ingénieur classiquement, donc de travailler avec des architectes, des urbanistes, etc. Et dans ce cadre-là, nous sommes partie prenante d'un projet qui s'appelle Syracuse. Et quelle est la force et la nouveauté de ce projet ? Ce projet est un projet de recherche qui est pluridisciplinaire et même, je dirais, je vais au-delà, il est interdisciplinaire. On croise donc des techniciens, ceux qui sont dans le groupe Suez Environnement, leur savoir avec des savoirs détenus par les sociologues, des historiens, des urbanistes. Tout ça pour essayer de concevoir des infrastructures et des services urbains sur l'eau, l'énergie et les déchets. Qui soit perçu de façon transverse et qu'on puisse se dire que bien finalement les déchets des uns sont des matières premières des autres et essayer de réutiliser, de recycler, d'associer différentes technologies et ce à des échelles qui vont du bâtiment à la parcelle, au quartier,
donc des écoquartiers par exemple, à la ville, et de voir à quel niveau ces technologies-là, les unes avec les autres, sont pertinentes en fait, pour un impact moindre sur l'environnement et une meilleure gestion des ressources. Est-ce que vous pourriez me citer des exemples d'innovation et d'expertise développés par Suez Environnement et ses filiales qui ont leur place dans la ville durable ? Il y a beaucoup d'exemples. On peut penser à la récupération d'énergie dans les réseaux d'assainissement, le produit, le service Degré Bleu de Lyonnaise des Eaux. On peut penser aussi à Degrémont et à l'usine de dessalement de Melbourne qui est parfaitement intégrée dans le paysage et qui a le plus grand toit végétalisé du monde avec des semis de plantes locales, une intégration paysagère parfaite. On peut penser aussi à des exemples d'ingénierie sociale ou sociétale comme par exemple la Maison pour rebondir ou la filiale Cite à rebond qui permettent à des populations de retrouver la voie de l'emploi. Donc ce sont des services que Suez Environnement coproduit avec des associations et des partenaires locaux. Et on a aussi la collecte pneumatique ou la collecte hybride des déchets pour réduire les nuisances environnementales de cette collecte. Et on a aussi, toujours dans l'éco-conception, des stations d'épuration à énergie positive, où on va récupérer toute l'énergie sous forme de méthanisation, sous forme d'énergie hydraulique, pour faire en sorte que ces stations consomment le moins d'énergie possible. Bien, merci beaucoup Thomas, merci Catherine. Merci. Well, this is the end. Thank you for following us and see you soon for the next edition. Bye.